Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour un des autres défis de bienvenue à Gotham City. Donc là cette fois-ci pour ce défi, il va falloir désamorcer les bonbonnes de gaz du Joker à des lieux dits différents. Donc au total, il y en a 3 qui sont présents sur différents endroits. Donc en premier, on va donc se rendre au niveau de Loot Lake, puisque vous allez voir qu'à Loot Lake, il y a donc tout d'abord une première bonbonne à désactiver. Donc elle est située juste ici au niveau du quai, vous allez voir à peu près par là. Donc à cet endroit, je vais vous montrer de toute façon, ça sera beaucoup plus simple sur le gameplay. Parce que sur la minimap, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc là, en fait, c'est juste à côté, vous allez voir, de la voiture noire qui est juste ici. On va retrouver cette bonbonne à tout simplement désamorcer. Donc on va atterrir, donc comme l'autre joueur qui est juste ici. On va la désamorcer. Et donc c'est parfait, ça nous permet déjà de valider le premier emplacement. Alors on va maintenant passer cette fois-ci au deuxième emplacement, et donc là cette fois-ci il faudra vous rendre dans la ville de Gotham City, et plus précisément au niveau de l'ancien musée qui était présent au niveau de Neo Tilted, pour ceux qui s'en souviennent, ça remonte depuis pas mal de temps. Donc en fait c'est au niveau de ce grand bâtiment là, qui est donc juste ici, donc c'est la maison de Wayne je crois, ou du moins la grande tour de Wayne, et vous allez voir c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir retrouver la bombe à désamorcer, donc logiquement on devrait la voir, elle est juste ici, voilà. Donc vous voyez que c'est bien à l'entrée de ce bâtiment. Et donc on va la désactiver. Et donc pour finir, pour la troisième et donc la dernière bonbonne de gaz, il faudra vous rendre cette fois-ci au niveau de Retail Row, et plus précisément vers le tacos qui est donc juste ici. Vous allez voir que vers le tacos, on va pouvoir en fait retrouver une table à manger. Et juste à côté de la table à manger, il y aura donc du coup une bombe à désarmer. Donc on va faire la même chose, on va s'y rendre et on va tout simplement la désactiver. Alors faites bien attention aussi à ne pas prendre trop de temps quand vous la prenez cette bombe, puisqu'elle peut en fait s'exploser entre autres et vous ne pourrez pas la récupérer. Donc après il faudra du coup relancer une autre partie. Mais comme ça m'est arrivé juste avant, je tiens à vous le préciser quand même, comme ça vous êtes au courant. Et du coup comme vous pouvez le voir, elle est juste ici, donc juste devant le tacos. On va tout simplement la désamorcer. Et donc c'est parfait, ça nous permet de valider ce nouveau petit défi. Du coup les gars, j'espère que cette nouvelle petite vidéo eh bien, vous aura aidé sur ce nouveau défi qui était donc de désarmer plusieurs bombes à différents endroits. Donc comme d'habitude les gars, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu si ça vous a aidé. Et puis n'oubliez pas aussi les gars, comme toujours, de me soutenir dans la boutique avec mon code CréateurFreezer. Et puis bah nous sur ce, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.